Terra, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ces ruines sont anciennes. Je me demande qui a construit ça et quand. Qu'est-ce que c'est que ces tours ? Rien qu'une tablette. Je me demande ce qui y est écrit. Donc la clé, ce sont les faisceaux lumineux.
est verrouillé. Je dois consulter de nouveau la tablette. C'est verrouillé. Je dois consulter... C'est verrouillé. Je dois consulter de nouveau la tablette. Je crois que j'ai compris. Aligné. Ah.
Quelque chose bloque. Ça ne bouge pas. Là, ça devrait marcher. Maintenant, essayons la porte. Pourquoi mon père serait-il ici ? Tout ici. Mmh.
Je dois rester prudente. Enfant des Phaistos! Quel est cet endroit ? Il est temps de plonger. Salutations, Cassandra. Bienvenue dans l'Atlantide.
impossible. Je pensais que ce n'était qu'une légende. De nombreux secrets de ce monde se dissimulent derrière les mythes et les légendes. Et qui es-tu? Je m'appelle Pythagore. Je suis ton père. Pythagore? Ça n'a aucun sens, il est mort depuis plusieurs décennies. Oui, près d'un siècle, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaros est... Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, te voilà. J'ai fait un long chemin pour rencontrer mon vrai père. Toi. Tu n'as pas été envoyé ici pour des retrouvailles. Il y a des choses plus importantes en jeu. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle dans tout ça? Je veux des réponses. Cet endroit abrite un savoir. Un puissant savoir. En de mauvaises mains, ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité. On ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu. Nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde. Je n'y comprends rien. Je suis une guerrière, pas une érudite. Nous avons tous une fonction, Cassandra. La tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide. Et pourquoi t'aiderais-je? Tu n'as jamais été là pour moi. Si tu as dû endurer cette vie, c'était pour t'endurcir, en prévision de l'avenir. Mais je n'ai jamais rien demandé, moi. La destinée est un fardeau que nous devons tous porter. Pas le fruit de nos décisions. Qu'est-ce que tu attends de moi? Les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes. Ils sont scellés. Et les artefacts qui les ouvrent sont absents. Alors, je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide. J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles, permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments. Mais ils sont incroyablement puissants. Ils sont capables de corrompre les esprits faibles. Et même de se défendre. Je les rapporterai. Mais... j'ai encore des questions. Et j'ai des réponses. Pour l'instant, cependant, prends ceci. C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact caché en Béotie. Un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié. L'Atlantide! L'Atlantide? Laisse-moi vérifier tes constantes. Tu délires? On cherche un artefact Issou capable d'altérer la réalité. C'est ce qui te tracasse? Ah, Pythagore est né vers moins 570. Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Misrasan, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Allons-y. J'ai rejoint les coordonnées. Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leïla, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessus. Des requins, peut-être. C'est toujours mieux que des Templiers. Pour Abstergo, on ouvre l'œil. Bonne chance, Leïla. Merci. Bon, je descends, là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver.